Bonjour, c'est Nathalie. Bonjour, c'est Grégory. Et bonjour, c'est Marie. Nous vous présentons aujourd'hui les trois livres du prix 50 ans en Yvelines 2023. Le GPS s'avère être un bel outil d'orientation et de guidage. Mais lorsqu'il est un outil de géolocalisation, peut-il longtemps nous préserver de nos tendances les plus malsaines? C'est cette même question qu'on pourrait se poser à la lecture de ce roman de Lucie Ricot, intitulé GPS aux éditions Paul. Ariane peut-elle continuer de se satisfaire du malheur des autres en suivant le déplacement de son amie Sandrine jusqu'au point ultime et fatal de sa disparition, via le point rouge du GPS? Je vous invite à lire ce livre de Lucie Ricot, en lice pour le prix du livre de 50 ans en Yvelines 2023. Nous sommes au 19e siècle et nous allons découvrir Augustin Mouchot. Qui est Augustin Mouchot? C'est un prof de maths, un type chétif, maladif, mais cet homme-là va inventer quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. Il va inventer des machines qui permettent de chauffer et même de faire de la glace grâce à l'énergie solaire. Ce personnage complètement décalé par rapport à une époque où le charbon est le matériau qui est le plus utilisé et qui va effectivement prendre le dessus. Donc cet homme complètement décalé va passer une vie entière à se consacrer à l'énergie solaire. Miguel Bonnefoy nous emmène sur les traces de cet inventeur extraordinaire, ce personnage sympathique, un peu lunaire, cet homme qui, contre son temps, va persévérer et va finalement, pour nous, hommes du 21e siècle, va développer une énergie qui aura son heure de gloire, mais malheureusement, pas à l'époque d'Augustin Mouchot, pas au 19e siècle. Je vous invite à lire ce livre qui est réjouissant. L'écriture est agréable, facile. On s'étonne avec lui. Nous allons avec lui découvrir ce 19e siècle qui court après les inventions et qui va vers la révolution industrielle et qui va donner le monde qu'on connaît aujourd'hui. Ce livre, c'est l'histoire incroyable de Gus et Prosp. Gus est un jeune scientifique qui part en expédition au large de l'Islande au 19e siècle. Il va assister au massacre d'une grande colonie de pingouins et en capturer un. Pour lui, rien de choquant. Le pingouin, en fait, c'est juste son laissez-passer pour une promotion au musée où il travaille, qui le ramène vivant ou non. Pourtant, alors qu'il commence à l'étudier, il va lui donner un nom, Prosp. Avec l'histoire de ce duo, l'auteur nous invite à retracer le cheminement des pensées des scientifiques de l'époque qui prennent conscience de l'extinction des espèces. Parce que oui, Prosp et les siens vont disparaître, comme le dit le titre, c'est le dernier des siens. Et en nous plaçant en témoin direct de la disparition de ce pingouin, on se rend peut-être un peu plus compte de la disparition qui a lieu actuellement de beaucoup d'espèces, comme par exemple l'ours polaire. C'est une lecture qui vous invite à réfléchir sur votre rapport aux animaux et plus largement au monde du vivant. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que c'est à la fois un récit très touchant entre deux êtres vivants qui vont apprendre à vivre ensemble, à s'adapter, parce qu'en même temps, ils dépendent l'un de l'autre. Mais c'est aussi un livre très documenté, qui ne verse pas du tout dans un récit trop sentimentaliste. C'est aussi un livre d'aventure, qui va vous faire voyager dans l'Europe du Nord, à travers le froid et les paysages sauvages de l'Islande. On navigue entre les contrées inhospitalières de Prosp et les villes un peu plus civilisées de Gus, un peu à la recherche d'un équilibre. Moi, j'ai bien apprécié l'aspect scientifique de l'ouvrage par rapport à l'histoire des sciences, la focalisation sur les naturalistes et sur le biologiste Darwin. Vraiment, le recours aux scientifiques, on prend du recul. Elle ne juge pas, en fait. Elle ne juge pas l'époque, elle ne juge pas les gens. Voilà, ce n'est pas un livre à chat. Oui, moi, je l'ai trouvé malin, ce livre. Cette femme, elle est, je ne vais pas dire qu'elle est touchante, mais on a de la peine pour elle. Ouais, elle est traversée par une faiblesse un peu psychologique. Ouais. Et quand la technologie prend le dessus, bah, c'est à ce moment-là peut-être qu'il faut dire stop, peut-être, c'est aussi ça, peut-être le message. Elle en est incapable. C'est vrai que c'est une lecture très troublante. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il a existé, Augustin Mouchot. C'est ça, personne ne le connaît. Augustin Mouchot, voilà.
C'était pas un nom pour devenir un héros quand même. Hein. Oui, et puis c'est encore cet aspect documentaire sur les sciences, quoi, en fait. Là, on a passé de la biologie, on passe à l'énergie solaire, donc à la physique. Moi, j'imagine les gens à l'époque, quand ils l'ont vu faire de la glace grâce au soleil, ça devait quand même être quasi de la magie, quoi. Donc, nous vous invitons à lire donc ces trois beaux ouvrages qui sont en lice pour le prix du livre de 50 ans en Yvelines. Et donc, après une lecture donc captivante, vous pourrez donc voter sur le site du portail des médiathèques de 50 ans en Yvelines, emediathèquesqy.fr. Vous avez jusqu'au 31 mars à minuit pour voter. Et vous retrouverez les auteurs et la remise du prix le 1er avril au théâtre de 50 ans en Yvelines. Donc, venez nombreux rencontrer les auteurs.